assister ce soir à une fabuleuse, une belle, une irrésistible première dame. Venant d'un homme, en fait, je n'en attendais pas moins, parce que les hommes sont toujours un petit peu intimidés face à cette femme charismatique. Wow. Nous sommes en 1946, elle s'appelle à l'époque Mademoiselle Brou, et on est au lycée Mamie Fettet de Bingerville, 148 élèves, dont 13 filles, ont la bourse pour aller étudier à Paris. Elle a 16 ans à l'époque, elle débarque à Paris avec pour ambition d'étudier l'assistance sociale. Deux ans plus tard, c'est-à-dire à 18 ans, elle va rencontrer Félix Houphouët-Boigny, qui était député alors à l'Assemblée nationale. C'est le coup de foudre. Il est marié, mais contre vents et marées, il va décider de faire de Mademoiselle Brou, Madame Félix Houphouët-Boigny. Donc à 22 ans, il va l'épouser. Et à un de ses proches, il dira, dans pas longtemps, en tout cas, on sera à nos propres affaires en Côte d'Ivoire, donc on sera indépendant. Et cette fille-là sera pour beaucoup dans la considération que le monde entier va vouer à la Côte d'Ivoire. Et en effet, il n'avait pas tort parce que c'était l'atout charme de la Côte d'Ivoire. Et pendant 33 ans, il va parader au bras de Thérèse Houphouët-Boigny, l'emmenant partout, au Canada, aux États-Unis, où elle sera d'ailleurs baptisée la Jackie Kennedy noire, Black Jackie. Et donc voilà, à l'époque, c'était le seul homme politique qui osait sortir publiquement avec sa femme. Parce que très, très peu d'hommes politiques de premier plan osaient montrer leur femme. Et lui, il a eu à faire cela. Thérèse Houphouët-Boigny, qui n'est pas seulement une beauté d'extérieur, mais aussi une beauté d'intérieur, parce qu'elle a créé la fille. Pas l'association des footballeurs de Côte d'Ivoire, pas celui de Jean-Jacques Domoreau, l'association des femmes de Côte d'Ivoire, donc qui avait pour but de remettre la femme au centre des questions essentielles et tout, de la revaloriser en quelque sorte. Elle a aussi créé le Ndaya, la fondation Ndaya, les étudiants qui, Cambodja à l'époque, savent de quoi il s'agit. Ibrahim reconnaissait de quoi il s'agit. Quand on chante le Ndaya qui est là, ça ne suffit pas. C'est lié au fameux Kwadio. Exactement. Et donc, elle aidait les gens, les enfants, les orphelins, ainsi de suite. Elle a aussi contribué à la création du tout premier dessin animé africain. Ça s'appelait Kimbo. Kimbo, Kimbo, Kimbo. Ta petite a des cheveux. Kita. Avec donc, la musique de Ndaya. Exactement. Donc voilà, Thérèse Houphouët-Boigny a 91 ans. 91 ans. Et on va terminer avec ce petit message. 100. Thérèse a lu tous les bouquins, Thérèse a fui tous les potins, pour célébrer son divin anniversaire. Thérèse porte son âge mystère, briser l'anathème de ses années de diadème. Totem, 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 maman Thérèse, on t'aime. Maman Thérèse, on t'aime. Bon anniversaire, maman, et que Dieu vous bénisse abondamment. Maman. Mais comme c'est antidaté, je l'ai réutilisé cette année. C'est toujours valable. Très bien. Donc voilà, c'était la glissade. Merci Glisse pour cette glissade. Mm-hmm. Ah, c'est très bien. Merci pour ce bel hommage. Très belle femme.